Emmène-moi, c'est une chanson de nature vraiment très intense. Les paroles sont intenses, la musique est intense, la mélodie est difficile à chanter aussi parce qu'on passe de très bas à très haut. Tout se fait dans la subtilité, même dans la version originale. Mais quand je la chante de façon dénudée, on dirait que ça l'amène à un autre niveau complètement. Je sais, joue très bien à deux. Et tu sais, tu gagnes déjà si tu joues avec moi. Pis c'est le fun, tu sais, chanter des chansons qu'en bout de ligne, tu fais comme moi. Il me semble que je l'ai faite souvent, là, tu sais, à se retrouver sur mon deuxième album. Puis arrive un moment donné où tu fais comme, mais peut-être que, hein, on peut passer à autre chose. Puis là, tu la redécouvres comme ça dans un arrangement qui est hyper théâtral. Je la chante pas de la même façon. Je sens que le public la reçoit pas non plus de la même façon. Pis c'est comme si je la redécouvrais pour la première fois. C'est vraiment, vraiment le fun de pouvoir me permettre de la chanter puis de ne pas avoir l'idée préconçue de ce qu'elle était avant, quoiqu'elle était parfaite aussi comme elle était avant, mais je me sens vraiment bien et je sens qu'elle représente vraiment l'artiste et la personne que je suis aujourd'hui. Emmène-moi plus près si je me perds jusqu'au bout de toi. Emmène-moi. Ouvre les yeux, je veux te voir comme tu me vois. Je veux te croire si tu me crois. Je resterai là. Na-na-na. Si je mens, je meurs. Et crois-moi, je n'ai peur de rien pour toi. J'irai au tir, emmène-moi briser les murs et les barrières. Emmène-moi dans un autre univers. J'aurai la voix, emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'un monde imaginaire. Emmène-moi plus près si je me perds jusqu'au bout de toi. Merci tout le monde.